Oui, oui, sauve la disco-fête. Pour ouvrir notre disco-fête en patin à roulettes, il ne manque plus que oui, oui, et c'est... Attention ! C'est patin à roulettes. Vas-y, oui, oui. Tu veux que je vienne danser? Tu vois, Wiz, tu y arrives très bien. Tu ne danses pas si mal, Wiz. Merci, Wiz. Et en plus, ça commence à m'amuser. Ouais. Et sans que les quilles entrent dans la danse. Les enfants sont très excités, je vous préviens. Salut, Wiz. C'est moi le plus rapide. C'est renversant. Des quillons en patin à roulettes. C'est comme ça, monsieur le gendarme. Et puisque c'est leur première disco fête en patin à roulettes, nous avons préparé une surprise rien que pour eux. Prêt, monsieur Jumbo? Oui, prêt. Les bobos, oh, rouges, j'en veux trois. J'aime bien quand ils s'éclatent. Eh bien, ce qu'il me semblait, sournois, c'est ici même que tout le monde s'amuse autant. Du patin à roulettes. Non, je voulais dire du patin à roulettes, quoi. Oui, et c'est une journée magnifique pour en faire, à moins que... À moins que notre machine magique à gâter le beau temps n'intervienne. On va commencer par un simple petit vent. Tu as essayé sur ce bouton. Est-ce que ça marche, Fino? Oui, ça marche très bien. Qui voudrait de la bonne gelée de fruits mêlée mon lot? Attention, monsieur Culbuto. Oh, un petit coup de vent, ça ne me fait pas peur. Quand même. Oh, c'est très surprenant. Oui, au secours, oui. Restez regroupés ici à l'abri du vent. Entendu. Allons, les petits quillons, rassemblez-vous. Oh là là, quel vent incroyable. Et vous, monsieur Culbuto, comment ça va? Oh, ça va très bien, oui. Ce n'est qu'une toute petite brise. Attention, tout le monde. Oh, ce vent ne m'a pas du tout l'air d'être normal. Et on dirait qu'il vient directement de ces buissons là-bas. Allez, petite voiture, tu peux y arriver. Ouh!
quelqu'un ici? Non, il n'y a personne ici. Sournois. On ne dirait pas qu'il n'y a personne. On dirait qu'il y a deux vilains lutins qui font des bêtises. Désolé, oui, oui. Non, nous ne sommes pas du tout désolés, sournois. Attention! Joli travail, ma voiture. Est-ce que tout va bien, oui, oui? Oui, ça va bien, Mirou. Et j'ai même une bonne idée pour continuer notre fête. Est-ce que ça vous plairait, les quillons? Ouais. On est d'accord. Oui. On va s'amuser. Oui. Oui, vite. Je te tiens. Pas trop vite. Ça, c'est un jeu très amusant. C'est vrai. Et c'est à Finon et à Sournois qu'il faut dire merci. Ils arrivent à s'amuser même avec le vent. Il faut absolument trouver autre chose. Oh, on peut faire de la neige. J'adore la neige. Youpi. Non, on ne peut pas faire de la neige. La neige, c'est amusant. Ce qu'il faudrait leur envoyer, c'est quelque chose de pluvieux et d'orageux. Mais ça, c'est rien de plus qu'un nuage. Oui, mais c'est un gros nuage noir et plein de pluie. Ils se dirigent tout droit vers leur horrible disco-fête. Oh, et voilà de nouvelles gourmandises. Laissez passer. Tournez, tournez les petits quillons à roulette. Le mauvais temps est arrivé d'un seul coup. Très surprenant. Je crois bien deviner d'où vient ce nuage imprévu. Prêt à actionner le parapluie, sournois? Prêt! Je ne sais pas très bien comment, mais il faut attraper ce nuage. Allez, viens, mon Zim! Le filet! Mais bien sûr, mon petit chien, tu es très malin. Bonne chance, oui, oui. Merci, oui. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Regarde, Fino, c'est oui, oui. Il se dirige vers notre nuage. Il faudra qu'il le rattrape d'abord. Regardez, le nuage veut s'échapper. Oui, oui, va le rattraper. Il se rapproche du nuage. Il faut faire quelque chose, Fino. Mais je fais déjà quelque chose, sournois. Accroche-toi, Zim. Allez, fonce, oui, oui. Vas-y, oui, oui, maintenant. On a réussi. Au lieu de gâcher l'ambiance, nous avons amélioré l'ambiance. C'est comme ça, la vie. Oui, oui, vous, tous les deux, vous allez m'accompagner gentiment. Je crois que j'ai un petit travail pour vous. C'était formidable, oui, oui. Je pense que nous n'entendrons plus parler des deux lutins aujourd'hui. Peut-être encore un petit peu, oui, oui. Regarde donc. Oui, oui, oui. Vas-y, oui, oui.
Tu aimes vraiment jouer à rapporter, Zim? Alors va chercher! Trop facile pour toi, hein? Et qu'est-ce que tu dis de ça? Tu es un champion à ce jeu. Oh, une idée? Est-ce que ça te plairait de jouer à Zim à la volée? Ah oui, mais il nous faut un troisième joueur. Ah, tremblez tous, car voici le terrible lunois sourdin. Non, je veux dire lutin sournois. Voilà, c'est ça. Alors, ça c'était aussi effrayant qu'une tarte aux pommes de Monsieur Culbuto. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. C'est mon rire cruel. On dirait juste que tu as avalé une mouche. Si tu veux réussir ton examen à l'école des lutins et obtenir ta médaille de gâcheur d'ambiance, il faudra que je travaille beaucoup plus dur. Je ne te le fais pas dire, sournois. À présent, tu vas aller avec mon rigolomètre un peu partout dans Miniville, gâcher le plus possible d'ambiance et me faire un rapport sur les vilains tours que tu auras à jouer. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, je... Sournois. Et pourquoi irais-tu essayer de gâcher l'ambiance? C'est la règle numéro un des lutins. Toujours essayer de gâcher l'ambiance. C'est parfait. Alors n'oublie pas, je serai ici à 3 heures précises pour vérifier si tu mérites vraiment ta médaille. La Kodak, Fino. Regarde, je suis content, je suis triste. Oh. Ne t'inquiète pas, Zim. On va bien trouver quelqu'un pour jouer avec nous. Ah, voilà. Tremblez tous, car voici le terrible lutin sournois. Bravo, juste au bon moment. On a besoin d'un joueur en plus. Hilary, qu'est-ce que... Mais j'essayais seulement de gâcher l'ambiance. Bon, alors toi, tu vas te mettre ici. Il vaut mieux poser ça là pour éviter de la casser. Mais moi, j'ai plein de vilains tours à jouer pour gâcher l'ambiance. Ne pense plus à gâcher l'ambiance, sournois. On va jouer à Zim à la volée maintenant. Allez, moi, je te lance la balle et Zim essaie de l'attraper. Sournois, attrape! Vite, lance-la moi! L'ambiance sera gâchée si la balle s'en va dans un arbre. Un coup très malin, sournois. Un coup quoi? Ah, je sais, je vais crever la balle. Bien attrapé, sournois. Tu es vraiment bon à ce jeu. Qui, moi? Tu l'as presque attrapé, Zim. À moi. Non, laisse-moi. Tiens, tu n'auras pas la balle. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Le rigolomètre de Fino. C'était le rigolomètre de Fino? Eh ben, c'est parce qu'on s'est amusé beaucoup trop. On peut s'amuser trop? Mais oui, et moi je vais avoir des tas d'ennuis à cause de ça. Moi qui voulais vraiment, vraiment réussir l'examen de gâcheur d'ambiance et recevoir ma médaille. Mais attends, sournois, tu peux peut-être encore l'obtenir? Mais comment? Je veux bien t'aider. Pour commencer, il va falloir faire réparer cette chose. Mais à qui pourrait-on demander ça? Bah, quelqu'un qui sait réparer n'importe quoi. Nom d'un petit bonhomme en fer blanc, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bidule magique des lutins. C'est le rigolomètre. Et d'après son état, quelqu'un autour de lui s'est un petit peu trop amusé. Oh. C'est fabriqué n'importe comment. Des mauvaises pièces assemblées à la va-vite. Oh, typiquement un travail de lutin. Tu crois que tu peux le réparer? Eh bien... Oh oui, je peux, mais ça ne m'enchante pas. Va vite dire à ton épouvantail qu'il peut attendre dehors. Il aura son bidule dans moins d'une heure. Merci, Lindy. Coucou. Oh non, déjà 2 heures. Fino va bientôt revenir.
Oh là, je ferais mieux d'aller jouer des vilains tours. Tout va bien, Sournois. Lindy va réparer... Sournois ? Sournois ! Rien de mieux pour être de mauvaise humeur que de trouver de la glu bien gluante au fond de ses chaussures. Sournois ! Oh oui ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce Sournois ! Sournois, je veux te dire quelque chose à propos de ta médaille. Oh, et un gâteau au chocolat pour Monsieur Scarabée. Voilà. Sournois, c'est pour t'aider que je cherche à te parler. C'est un objet technologique très intéressant. Alors, maintenant voyons si ça fonctionne. Essaie de faire quelque chose qui t'amuse beaucoup. Comme de réparer un circuit d'ordinateur. Mais non, ça ce n'est pas drôle. J'ai trouvé, je te raconte une histoire. Toc toc. Toc toc. Ah oui, ah, celle-là je la connais bien. Oui, qui est là? C'est la fée. C'est la fée comment? C'est la fée plaisir de vous rencontrer. Hein? Je la comprends pas ta blague. Tu n'as pas compris? C'est la fée. C'est la fée plaisir. C'est pas très drôle. C'est une blague très mauvaise. Oh, on va devoir essayer autre chose, Wiz. Ah, fais quelque chose de drôle, comme une danse un peu rigolote. Mais je ne sais pas danser. Ne t'approche pas de moi avec ça. Wiz, ça marche. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Lindy? Ah, tu es là. Ce serait mieux de le rendre à Oui-Oui maintenant. Oh, Fino sera là d'une minute à l'autre. J'ai intérêt à gâcher le plaisir de n'importe qui et très vite. Ça chatouille. Ça chatouille. Oh non, je n'arriverai jamais à obtenir ma médaille. Mais si, tu l'auras ta médaille, j'essaie de te le dire depuis une heure. On va s'y mettre tous ensemble et on va t'aider. Mais pourquoi feriez-vous ça? Je ne suis qu'un lutin. C'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi. Que pouvons-nous faire pour t'aider, Oui-Oui? Il faut que vous ayez l'air aussi triste que possible, juste pendant que Fino est là. Et après, vous pouvez de nouveau être heureux. À quelle heure doit-il venir, Oui-Oui? Coucou. 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 Maintenant. Bon, pour une fois, on dirait que Sournois a fait du bon travail. Même Monsieur le gendarme a perdu son rire. Salut, Fino. Laisse-moi vérifier ça. Eh bien, je ne sais pas comment tu as fait, mais il me semble que tu as parfaitement réussi. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de te donner la médaille de gâcheur d'ambiance de l'école des lutins. Youhou! Wow! Oh, Brigitte! Youhou! Oh. Ah! Oh non, pas ces rires épouvantables. On n'est pas triste longtemps au pays des jouets. Tu vois, Fino. Oh, encore une chose que tu dois savoir, Sournois. Pour un lutin, le travail n'est jamais fini. Hey,
C'est très gentil à toi de venir m'aider par cette chaleur, oui, oui. C'est naturel, potiron. Et c'est amusant. Oh, mais... Zim, qu'est-ce que tu fais? On est venu pour aider potiron à soigner ses plantations, pas pour les déterrer. Ce soleil et cette eau, ça doit faire du bien à tes plantes. Elles poussent bien. En vérité, je dois dire que je les aide un peu. Ah, tu utilises de la magie. Oh là, non, pas trop. Oh. Ça c'est fantastique. Je pourrais t'emprunter cet arrosoir, potiron. Je viens d'avoir une idée géniale pour faire plaisir à Miou. Oh, bah, très volontiers, mon petit oui-oui. Merci, potiron. Allez, viens, Zim. Au revoir, potiron. Au revoir, oui-oui. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Je lui ai dit de n'en mettre que très peu avec mon arrosoir magique. Enfin, je crois que je lui ai dit. Oh, je ne m'ai pas dit. Oh, sapristi! Je parie que Mirou aimerait une bonne limonade par une chaleur pareille, Zim. Reste à la voiture, Zim. Je reviens tout de suite. Bonjour, monsieur Scarabée. Bonjour, monsieur Culbuto. Deux limonades, s'il vous plaît. C'est bon. Moi aussi, oui, deux limonades. Du monde aujourd'hui, oui. C'est normal avec ce soleil, monsieur Culbuto. Les gens veulent s'installer à l'ombre et boire une bonne boisson bien fraîche. Eh bien, dans ce cas, ils sont à la bonne adresse. Il y a beaucoup d'ombre sous mon auvent et ma limonade est servie parfaitement fraîche. Jumbo, on prend cette table à l'ombre. Oh oui, c'est parfait. Jumbo! Oh, désolé, monsieur Scarabée, je ne vous avais pas vu. Vous avez chaud, monsieur Scarabée? Buvez un peu de limonade. Oh, je vois, prenez une des miennes. J'en prendrai une autre. Limonade est une charmante surprise, oui. Moi aussi j'ai une surprise pour toi. J'ai mis à cuire des petits gâteaux. Ils seront prêts dans un instant. Waouh! Oh, j'apporte une autre surprise pour toi, Mirou. Oh, c'est un chapeau ou un nouveau panier de pique-nique. Non. Surprise! Oh, il est vraiment petit pour un arrosoir. Oui, mais c'est un arrosoir magique. Regarde, Mirou. Oh. Ah, il en faut un peu plus. Oh. Ça marchait bien chez Potiron. Peut-être qu'il en faut un peu plus. Oui.
chien. Je n'aurais pas cru que ça puisse pousser autant. Oh, 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 quelle canicule! Oh, oh là là! Oh, sapristi! Oh, c'est très surprenant, ça! Oh, oh, oh! Oh, bah ça, alors! Oh, 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 oh là là! Excusez-moi! Oh, 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 bah ça! Tu l'as vu foncer, Caracol? Oh là là! Oh, 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 voilà qui est parfait pour se rafraîchir. Oui, oui, regarde-moi ces tomates. Oh, géantes les tomates. Oh oui, oui, je ne peux plus rentrer chez moi. Et mes gâteaux qui sont encore au four. Pas d'inquiétude, Mirou. Je crois que j'ai un plan à la oui-oui. Oui, oui! Oh, 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 des problèmes de tomates. Oui, je vois ça. Il est où, oui, oui? Coucou! Les voilà. Merci, Lindy. Tu es prête, ma voiture? À ma robe. Je voudrais une feuille parasol, oui, oui. Moi aussi, s'il te plaît. J'en veux une pour Caracol. Et moi aussi, oh, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, une feuille parasol. Oh, oh, quelle bonne idée. Oh, bah ça, alors, c'est drôle. Terminé, je vais descendre. Oh, 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 oui, oui, je suis content de te retrouver. Je tenais à t'avertir de ne pas verser trop d'eau à la fois avec mon arrosoir magique. Oh. Pas de soucis, Potiron. Les feuilles de tomates géantes sont parfois très utiles. Oh, oh oui, oh oui, oh, 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 c'est très utile. Ah, mes petits gâteaux sont très bien cuits. Très bien. Mais je me demande ce qu'on va faire avec toutes ces tomates géantes. Ah. Une spaghetti party. Bravo, oui, oui, c'est génial. Et la sauce tomate est vraiment délicieuse. Oui, oui, Adi, les bras en l'air. Oui, oui, Adi, tournez comme une toupie. Faites et tomber par terre d'un seul coup. J'ai pas dit oui, oui, Adi. Tu nous as encore bien eu.
C'est à mon tour maintenant. Regardez-moi comme ils s'amusent, les bons amis. Gâchons vite cette belle ambiance. Lindy a dit les deux mains sur la tête. Lindy a dit faites l'oiseau. Essayez de voler, petits oiseaux. Je n'ai pas dit Lindy a dit. Oh non, encore perdu. La prochaine fois, tu ne m'auras pas, Lindy. On verra bien. Bonjour, les lutins. Continuez. Ne vous occupez pas de nous. Ah bon, d'accord. Lindy. Lindy a dit bouger comme de la gelée. Pour vous, c'est de la gelée. Alors ça, c'est la plus mauvaise imitation que j'ai jamais vue. Lindy a dit faites semblant d'avoir le hoquet. Vous avez perdu. Elle n'a pas dit Lindy a dit. Bah si, je l'ai dit. Je te dis que je l'ai dit. Non, tu ne l'as pas dit, mademoiselle la fée. Allez, vous voulez jouer avec nous, les lutins? On n'a pas envie de jouer à vos jeux idiots. Oubliez-vous notre règle numéro 1. Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Toujours créer une bonne ambiance. Fino, notre règle numéro 1, c'est toujours essayer de gâcher l'ambiance. Non, ce n'est pas ça. C'est toujours créer une bonne ambiance. Tu en es bien sûr, Fino? Oui. Lindy, grâce à ta magie, Fino veut bien jouer avec nous. Alors, à quoi on va jouer maintenant? Oh, c'est bien. Pour jouer, on se met derrière cette ligne et... Pour gagner, il suffit d'envoyer sa boule le plus près possible de celle-ci. Alors ce sera moi, le gagnant. Oui, mais peut-être pas Fino. À toi de jouer, Mirou. Non, je veux rejouer, ce n'est pas juste. Mais si, c'est juste. C'est à toi, oui, oui. Ça ne compte pas, il était sur la ligne. Mais c'est pas vrai, Fino. Tricheur. Ouh, il a triché. Oh, s'il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est la triche. Mais je croyais que les lutins aimaient bien tricher, Fino. Il veut nous embrouiller. Oh, regardez là-haut, des bananes qui volent. Quoi? Quoi? Où ça? Je ne vois rien du tout, Fino. Ah, ta boule ne s'est pas arrêtée, oui, oui. Elle a roulé jusque dans la rue. Non, c'est pas vrai, Fino. C'est toi qui l'as jetée. Ce n'est pas comme ça que l'on joue à ce jeu, Fino. Oui. Eh bien, moi, je joue comme ça. Lindy, je crois qu'il vaut mieux remettre Fino dans son état normal maintenant. D'accord. Oh, je n'y arrive pas. L'enchantement est trop fort. Non, je n'y arrive pas. Je pourrais demander de l'aide à mes sœurs. Bonne idée, Lindy. Pendant que tu vas les voir dans les bois, nous nous chargeons d'occuper Fino. J'y vole, oui, oui. Vous avez vu comme j'ai bien joué. Nous devrions peut-être essayer de jouer à un de vos jeux de lutin. Eh bien, moi, je sais à quoi. À compter crier. Ouais. 25, 26, 27, ils reviennent quand, les 28, lutins?
a rien. Je suppose que ça fait partie du jeu. 29, 30, 31, 32. Oh, alors ça, c'était surprise. C'était drôle. C'est notre tour. C'est drôle, hein. 21, 22, 23. Oh. À votre tour de compter. 1, 2, 3. Oh, je vous en prie, Noisette, Prunette, vous devez m'aider à défaire cet enchantement. Pourquoi, Lindy? Un lutin joueur, ça m'a l'air d'être plutôt amusant. Oh. 177, 178. Oui, oui, ça fait très longtemps. Je me demande où les lutins sont passés. Tu crois que Fino pourrait refaire des bêtises? 2. Tu as vu, il compte, il attend sûrement qu'on lui fasse peur. J'ai pas l'impression qu'il veuille jouer avec nous, Fino. 4. 2. Et 9. 2. Il travaille, il ne joue pas, Fino. 3. 2. Écoute, Fino, lui, il n'est même pas en train de compter. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Avancez, mes petits quillons. Merci, oui, oui. Oh, oui, oui. Mes sœurs ne veulent rien savoir. Elles trouvent ça très bien qu'un lutin ait envie de jouer. Je ne sortirai pas de cette ville avant d'avoir joué à mon jeu génial avec tous les habitants. J'ai bien envie de proposer à tes deux sœurs un grand jeu avec les lutins. Oh, oui, c'est une excellente idée, oui, oui. Un grand concours du meilleur renifleur d'odeur. Oh oui, je vais jouer et je vais gagner. Alors allons-y. Pour trouver les meilleures odeurs, allons dans les bois enchantés. Tu es prêt, Sournois? Ah oui, on y va. Oh, merveilleux. Alors, champignons moisis, hein, très parfumés. Tu vois, Lindy, aujourd'hui, Fino s'amuse vraiment. Du bois pourri. Tiens, je m'attendais à une odeur plus forte. Ces moisissures seront bien meilleures dans quelques mois. Quelle est la meilleure odeur du monde pour toi, Fino? Mes chaussettes. Oh, une odeur de chaussettes. Oh, Fino, ça c'est la meilleure odeur du monde. Tu es le champion sans aucun doute. J'ai gagné, je suis le premier. Je suis très très bon, je suis un champion. Oh, je gagne partout. Cette voix et cette odeur. J'ai gagné. Allez, et Prunette, il faut arrêter ça. Je suis très très bon, je suis un champion. Je gagne partout et à tous les coups. Mais où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as joué avec tout le monde, Fino. Tu t'es drôlement amusé et tu viens de gagner le concours de Oui Oui. Moi, jouer, m'amuser, gagner un concours? Tu n'es pas dans ton état normal, Sournois. Allez, rentrons à la maison. Fino, tu oublies ta chaussette. Hein? Mais quelle chaussette? C'était pour le jeu, tu sais bien. Le jeu? Nous les lutins, on ne joue jamais. Corps étincelle, tête en bas, et on saute. Yahoo! Yahoo! Oh, Barbotine, il y a
une algue qui s'est accrochée dans mes cheveux. Ce n'est pas très grave, étincelle. Ne vous inquiétez pas, les filles. Vous avez encore beaucoup de temps pour vous entraîner. Je sais bien, Mirou. Mais je veux que tout soit parfait dans notre ballet aquatique. Allez, viens, on recommence. C'est vrai que le saut dans l'anneau est au point, mais on a encore des tas de choses à revoir. Elles sont géniales, ces deux petites sirènes. Mon nouveau sous-marin est génial aussi, Whiz. Il me tarde de l'essayer. Encore deux ou trois réglages, oui. Oh, pardon, Whiz. Excuse-moi. S'il vous plaît, faites attention, les sirènes. L'eau et les robots ne sont pas des bons amis. Désolée. Oh, allez, viens. Excuse-moi, je suis un peu nerveuse. Tout ira bien. Fais comme si personne ne vous regardait et tu n'auras plus le trac. Bonne idée, Mirou. Prête? 1, 2, 3. Oui, on a réussi. Cette fois, c'était parfait. Recommençons tout de suite pour en être sûr. Oh oui, devant! Oh oui! Attention! On ne peut pas s'arrêter! Hey! Qu'est-ce qu'ils font là, ces pirates? Ils ne voient donc pas qu'on s'entraîne? Ah, terre en vue! Oh, disparu! Ah, les revoilà! Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ce bateau fou? Oh, hey, du bateau! Yeah. Oh, hey, oui! Les pirates! Vous empêchez les sirènes de s'entraîner! Désolé, mais nous avons d'autres problèmes à régler d'abord! Oh! On ne peut plus arrêter le bateau! Ah, j'ai mal de mer! Arrêtez ça tout de suite! Impossible! Nous avons perdu notre ancre! Oh! Vous avez déjà tout l'océan pour naviguer et vous voulez aussi notre port? Faites comme si on n'était pas là! Ne dites pas n'importe quoi! Et s'il vous plaît, arrêtez de tourner! Vous me donnez le vertige! Ils ont raison! Leur ancre a disparu! On ne peut pas montrer notre balai tant que le port est occupé par eux! Oh, Marmottine! Quand je pense que nous avons travaillé si dur! Vous devriez avoir honte! Plus de balai aquatique à cause de vous! Whiz, j'ai besoin du sous-marin. Il est prêt? Oui, mais enfin, il faut encore faire un petit essai. Volontaire pour un premier essai. Allez, monte, Zim. On y va, mon petit Zim. Salut, Barbotine. Vous m'aidez à retrouver l'encre des pirates? Et pourquoi les aider? Ils ont perturbé notre entraînement. Ils ne l'ont pas fait exprès. Tout notre travail est gâché. Mais non, plus vite on la retrouve et plus vite vous vous entraînerez. Mais vous n'êtes pas obligées. Vous êtes si brillantes, toutes les deux. C'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr que je le pense. Allez, on recherche leur encre. Tiens, mets-toi là. Oh, merci beaucoup. Oh, je suis impatient de voir le ballet aquatique des sirènes. Ah oui, moi aussi. Oh, pardon, monsieur Scarabée.
rien. Étincelle. Non, rien du tout. Ah, la voilà. Oh, elle est trop lourde. Je vais essayer. Rien à faire. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas apporter l'ancre au bateau, essayons d'amener le bateau jusqu'à l'ancre. Venez, suivez-moi. Nous tenons déjà la chaîne, Zim. Bonjour, Monsieur Scarabée. Quelle journée merveilleuse pour assister à un ballet aquatique. On a réussi. Les pirates vont être contents. Espérons-le. On n'était pas obligés. Bien sûr qu'ils seront contents. Vous pouvez remonter, vous préparer pour le ballet aquatique. C'est oui, oui. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. Oh, les pirates. Les sirènes m'ont aidé à retrouver l'ancre. On l'a raccroché à la chaîne. Tu dis que les sirènes t'ont aidé? Je croyais qu'elles étaient fâchées. Elles l'étaient, mais c'est oublié. Vous devriez leur dire que vous regrettez de les avoir dérangées. On va le faire. Mais où sont-elles? Elles se préparent pour le ballet aquatique. Oh, j'adorerais voir leur ballet aquatique. Pas question de rater ça. On lève l'ancre et on met le cap sur... le port. Ouais. Le premier arrivé. Génial le sous-marin. Et la première plongée s'est passée parfaitement. Eh bien, tant mieux, oui, oui. Tous les amis du pays des jouets sont ici. Il n'y a pas assez de place. Oh, non. Encore eux. N'ayez pas peur, ils ne vont pas perturber le ballet aquatique. N'est-ce pas, les pirates? Mais non. Nous regrettons beaucoup d'avoir dérangé votre entraînement. Et merci d'avoir aidé à retrouver notre ancre. Les pirates, vous voulez bien qu'on monte sur votre bateau pour regarder le ballet aquatique? Ah, naturellement, voyons. Et tout le plaisir sera pour Il nous. Il en est de feu. Plions. Merci. Merci. Et merci à toi d'avoir sauvé notre ballet. Ah oui, oui. Tu veux participer? Qui, moi? Oui, avec joie. Allons voir ce
ce que Mirou a préparé ce matin. Mes petits gâteaux aux framboises, ils sentent très bon. Tiens, je me fais moi-même des compliments. Coucou. Ah, le coucou. C'est l'heure de sortir les gâteaux du four. Coucou. Coucou. C'est l'heure d'alterner la garde. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Oh, merci, coucou. C'est l'heure de s'assurer que tout le monde est heureux au pays des jouets. Oh, je sais ce que ce coucou me rappelle. C'est l'heure de mettre en route ma machine à faire la gelée. Bonjour, Mirou. Bonjour, oui, oui. Est-ce que tu voudrais un petit gâteau aux framboiselles? Oh, oui. Et après ça, on ira essayer mon nouveau cerf-volant. Ton cerf-volant est magnifique, oui, oui. Tiens, et c'est le Mirou. Oui. Il y en a qui s'amusent ici. Moi, je ne me suis jamais amusée sur ce perchoir. Il est peut-être temps d'essayer. Personne ne me regrettera ici. Allons-y. Du football pour les enfants. Déjà ? Oh, excusez-moi, je comptais sur le coucou pour y penser. Tu devais venir nous chercher. On t'a attendu des heures et des heures. Je veux jouer au football. Mais où étais-tu ? J'ai apporté le ballon. Je me demande pourquoi le coucou n'a pas chanté. Oh ! Il est parti. Parti ? Mais où est-il allé ? Nous avons tous besoin du coucou. Venez, il faut le retrouver. Coucou. Coucou. Oh. Où es-tu, coucou? Oui. Au secours. Que se passe-t-il, monsieur Culbuto? Ma merveilleuse gelée, elle est dure comme de la glace. Oh là là. Comment est-ce arrivé? Quand le coucou chante, je sais qu'il faut arrêter le refroidissement de la gelée. Mais le coucou n'a pas chanté. Ne vous inquiétez pas, monsieur Culbuto. Monsieur le gendarme, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, mes chaussures, regarde. Vos semelles sont complètement usées. Dès que j'entends le coucou, je sais que ma ronde matinale dans Miniville est terminée, mais... Le coucou n'a pas chanté parce que le coucou est parti. Parti. Oh, regardez.
soldats ont attendu si longtemps le signal du coucou pour alterner la garde qu'ils se sont endormis. Oh, mais que pouvons-nous faire à présent? Il faut retrouver notre coucou. Oh. Je crois que j'ai une idée. C'est le bon moment pour un plan à la oui-oui. Bravo pour avoir retrouvé le coucou, oui-oui. Mais pourquoi a-t-il quitté son emplacement habituel? Il avait juste envie de s'amuser, c'est tout. Mais que faire s'il lui prend l'idée de repartir s'amuser? Pas d'inquiétude. Je crois que je sais comment le faire rester à son poste en s'amusant quand même. Coucou! C'est l'heure de jouer à cache-cache! Cache-cache. D'accord. Cache-cache. 9, 10. J'arrive caché ou pas? Oh, monsieur le gendarme, je vous ai trouvé. Alors là, on s'amuse. C'est vous qui avez pris toutes ces photos, monsieur le gendarme? Bien sûr que c'est moi, oui, oui. Je suis très fier de cette photo-là. C'est un ronfleur des bois à taches jaunes. Lui, il porte bien son nom. Et deux gelées qui marchent. Oh là, oh, quel maladroit.
Maintenant, c'est un ronfleur des bois à tache jaune et verte. C'est vrai. Non, oh, excusez-moi, monsieur le gendarme. Lequel de ces oiseaux préférez-vous, monsieur le gendarme? Eh bien, en réalité, oui, je pense que mon préféré, c'est un oiseau que je n'ai encore jamais vu. La fauvette enchantée. Je donnerais bien mon casque de policier pour entrevoir l'une d'elles. Oh, son chant est extrêmement particulier. J'ai entendu cet oiseau dans les bois enchantés. Tu es sûr, une fauvette enchantée dans nos bois? Oh oh! Mais quand ça? Où ça? Oh oh! Ça perd l'hippopète. Allez, viens, oui. Oh, emmène-moi là-bas. D'accord, monsieur gendarme. Il y a une chose qu'il faut savoir quand on observe les oiseaux, oui. Il faut savoir rester absolument silencieux, ou sinon on leur fait peur et ils s'enfuient. Compris, monsieur le gendarme. Bien silencieux. Alors, en route pour les bois enchantés. Oh, nous ne verrons jamais la fauvette enchantée si Zim chahute de cette manière. Oui. Désolé, monsieur gendarme, je vais essayer de le calmer. Hein? Oh! Oh! Sournois, il y a quelqu'un qui s'amuse. Mais qu'est-ce qui peut les amuser tant que ça? On dirait juste qu'ils cherchent quelque chose, Fino. Rien n'en vu, monsieur le gendarme? Pas la moindre trace de fauvette enchantée nulle part. La fauvette enchantée, ils cherchent des oiseaux. Oh, des oiseaux! Pourquoi ils cherchent des oiseaux? Parce que c'est leur manière de s'amuser. Et la règle numéro un des lutins, c'est... Toujours essayer de casser l'ambiance! Et voici du catalogue des bidouilles de lutins, un appôt charmeur de fauvettes enchantées. Ah! On dirait les oiseaux qui nichent tout près de chez nous, Fino. Vraiment? Oh, si mes oreilles ne me trompent pas, il s'agit d'une fauvette enchantée ou alors je ne suis qu'un ronfleur à taches jaunes. Très bien, sournois. Toi, tu vas rester par ici et moi, je vais par là. Nous partons à la chasse aux chasseurs d'oiseaux. Mais si tout se passe bien, ce sont les chasseurs qui seront chassés. Allez, file maintenant. Il y a deux fauvettes, monsieur le gendarme. Ce doit être un couple qui fait son nid, oui. Oh, quand j'y pense, des oisillons de fauvettes enchantés. Vous cherchez celle-là, et moi je vais chercher l'autre. Oh là! Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Ben! Oh! Ben! Ouf! Oh! Oh, la voilà encore. Non. Je suis accroché à cette branche. Mais qu'est-ce qui se passe?
Oh, mon casque. Bien joué, mon Zim. Zim, où vas-tu? Mais ce n'est pas une fauvette enchantée, c'est juste un lutin. Oh, ah. Oh, bah, oh, on va être si près du but, oh, et rester accroché. Oh, oh, oh. Oh. Est-ce que j'ai des visions? Oh, 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 vite, suivons cette affaire. Oh, 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 laisse tomber ton appau, sournois. Oh. Je suis là, oui, oui. Oh, oh. Quelqu'un s'est moqué de nous. En fait, il ne s'agissait pas d'une vraie fauvette enchantée. Oh, c'est vraiment très surprenant. Oh, ça ne peut pas être les lutins. Nous avons repris leurs appos. Oui, oui. Alors, c'est peut-être une véritable fauvette enchantée. Oh, oh, oh. Venez, monsieur le gendarme. Il y a peut-être une photo à faire. Oh, oui. Ce n'est pas bon pour moi de faire tant d'exercices. Fino, je croyais qu'on avait jeté nos impôts. Nous devons être tout prêts. Oh, oh, une fauvette enchantée. Oh, enfin. Et dans l'arbre des lutins. Oh, allez-vous-en, sales oiseaux. Allez-vous-en. Allez, partez. Allez. Mille boutons de redingote. Il y a un nid. Oh. Nous n'allons pas rester ici pour voir tout le monde se réjouir. Hein. Allez, viens, sournois. Oh là, oh, bah, d'accord. Des fauvettes enchantées, tu parles? Oh. Oh non, le nid. Oh. 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 Allez, rends-moi mon casque. Vous vouliez donner votre casque pour les voir, monsieur le gendarme. Et vous les voyez. Je la tiens, ma photo. Oh, celui-là va te plaire, sournois. Le pivert décoiffé des sous-bois. Oh, on dirait Fino quand il vient de se réveiller. Combien de temps comptez-vous rester à observer les oiseaux? Jusqu'à ce que les petits soient capables de quitter leur nid. Apprécie encore un peu notre compagnie, Fino. Oh, écoutez, écoutez comme c'est joli ce gazouillis. Oh, je ne sais pas ce qui est le pire, les chants d'oiseaux ou bien les rires. Oh,